Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? Il est où le jungler? Ah bah. You're not so big. Life is unfair. Yo, salut à tous, c'est Ocolay, bienvenue sur cette vidéo un peu spéciale, Aujourd'hui, on va faire du Guess Hello des abonnés sur YouTube. Je vous avais demandé il y a quelques jours de me donner vos pseudos. Vous aurez une chance aussi de gagner 20 euros de RP. Aujourd'hui, on va savoir qui est le gagnant. Mais dans le Guess Hello des abonnés, il y aura une toute petite nouvelle règle. C'est ceci. Lorsque je vais me tromper d'Hello, je vais manger un de ces petits bonbons. Mais vous savez peut-être ce que c'est. C'est-à-dire que dans ces bonbons, il y a des goûts qui sont pas très bons. C'est plus des bonbons, c'est pas du poison. Même si il y a une période où ça avait été illégal parce qu'il y avait du cyanure dans un des bonbons. Voilà, je vais crever en fait. Il n'y a pas de problème, on va crever. Non, en vrai, donc il y a une reproduction de ces bonbons-là. Ils ont enlevé le bonbon où il y avait du cyanure. Et j'espère en fait, sinon je vais peut-être mourir. Du coup, la moitié des bonbons sont bons. Cerise, Coca-Cola, tout ce que tu veux, qui sont bons. L'autre moitié, c'est plus des trucs genre cire d'oreille, ver de terre, saleté, cannelle. En fait, cannelle, normalement, c'est censé être un bon bonbon, mais moi, j'aime pas la cannelle, donc je l'inclus dedans. Saucisse, pourquoi pas. Œuf pourri, je crois que si je me tape le œuf pourri, je vomis, no joke. J'ai déjà goûté ça, œuf pourri, c'est horrible. Du coup, je vais aller chercher les commentaires de la vidéo. Et le premier est... Malik Zyour. On va aller regarder ça tout de suite. Alors évidemment, pour pas tricher, je vais hop, activer et je vais baisser tout de suite. Et en gros, on va juste voir son level. Voilà, il est niveau 114, on voit le skin de Ezreal. On fait match historique. Alors j'espère qu'ils ont joué des ranked. Hein. Je veux de la ranked solo duo. Pile poil. Pile poil, c'est parti. La règle que je vais me forcer à suivre, c'est... Je ne peux pas voir plus loin que 4 minutes de jeu. Bon allez Malik, montre-nous. Ok, je vais me foutre dans le coin ici, ça va être très bien. Ok, il a abusé. Il a profité de son level 2, la transi level 2. Waouh, 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 Malik est énervé en fait. Parce que le niveau 1 de Qiyana est dégueulasse, surtout quand elle a plus d'ignite et de flash. Comment la Qiyana s'est fait prendre? Ok, c'est fait pour le Q. Bizarre comme erreur, ça, quand même. Hein. T'as un kill aussi gratuitement. Bon, c'est clairement pas du bronze, hein, de ce que je vois là déjà. Le Kennen qui pense au troisième Q de Riven. Je rappelle que si je me foire, par exemple, s'il est silver et je dis qu'il est gold, je mange un bonbon de mort. Hein. Ok, il a su qu'il pouvait W avant de se prendre un deuxième coup de tour. Je pense plus qu'on est en silver du coup. Il me reste 45 secondes là. On fait bien attention des tours. Elle a pensé à la plaque. Ouais, c'est gold ou plate là. C'est dur. Là c'est fini là. Je me laisse l'action. Non, ça joue bien en vrai. Hein. C'est un peu clean quand même. Hein. C'est soit gold, soit plate. Je pense à du soit plate 4. C'est entre gold 3 et plate 1, je dirais. Putain, je dis quoi? Bah du coup, je dis gold. Let's go, Malik! Let's go! Deuxième personne, c'est parti. Je perds ce site pour choisir. Stain, Road to Challenger, E-West. Quelqu'un qui est... énervé. Niveau 63, qui joue Vel'Koz. Ranked solo duo, je prends tout le temps la dernière. Imagine, j'ai tout bon et je mange même pas les bonbons. Je serai refait. Road to Challenger, Stain, montre-nous ce que tu es capable avec Vayne. Il me reste déjà... Attends, il me reste plus que 57 secondes là déjà. 47, je veux dire. Ok. Est-ce que... Oh là. Oh là là, on est où là? Attends, on est où là? C'est pas très fluide, hein, c'est pas mon ordinateur qui laguait là. Euh,
bah bronze. Ouais, pas trop besoin de voir plus loin. Silver 4, ce serait gênant, je pense, pour les silver. Je dirais bronze. Bronze 2, let's go. Parfait. Next, le troisième. Le troisième sera... le beau Gekota. Merci Instant Gaming. Et oui, la vidéo est sponsorisée par Instant Gaming. Encore une fois, merci beaucoup. C'est le sponsor officiel de la chaîne. Je vous en reparle parce que ça vous fait gagner des codes RP. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. Instant Gaming, qu'est-ce que c'est? C'est un site où vous allez pouvoir acheter des jeux digitalisés à des prix où il y a zéro concurrence. C'est les prix les plus faibles sur le marché. C'est là où j'achète tous mes jeux. J'ai acheté récemment Monster Hunter. Et c'est une tuerie d'ailleurs. Je vous conseille fortement le jeu. Vous avez évidemment le lien dans la description et les commentaires. N'oubliez pas, il y a un giveaway. Il y a un giveaway sur le site. Vous pouvez choisir un jeu de votre choix. Il vous reste quelques jours. Pas beaucoup. Parce que c'est pas aujourd'hui que je fais cette vidéo. Qu'elle va sortir en tout cas. Donc vous avez juste à rentrer le jeu que vous voulez. Il y a 10€ de RP à gagner dans les commentaires. Bonne chance à tous et à bientôt, ciao. 396, Ezreal. Ok. Noxie sur son petit brand là. Face Invade. Noxie qu'on en a rien à faire. Ou Noxie, tu vas où là? Oulala. Oulala, va falloir side step hein. Va falloir side... Non, tu flashes là. C'est quoi Noxie? J'ai envie de prendre un risque avec toi. Je vais pas regarder plus loin. C'est soit bronze, soit silver. C'est clair. Ça c'est clair, c'est soit bronze, soit silver, de ce qu'on a vu. La Morgana qui s'est collée pour te toucher, c'était pas con. Moi je dirais silver. Je dis silver 3. Je prends un risque Noxie. Je prends un risque. Et ce sera ta faute. Silver 3. Et pour l'instant, 3 sur 3. Let's go pour le quatrième. Craftor, 444. Je suis trop chaud. Tu vois, en disant ça, je m'assure que le karma va me frapper. Où est notre cher Viego? Allez, Viego, montre-nous la voie. Ok, ton Azir, il a l'air de bien kiffer le jeu. En fait, là, juste voir Azir qui s'amuse sur League of Legends en faisant W et danser, je sais déjà que c'est pas plate et plus. Personne s'amuse après plate, en fait. Genre, en étant plate et plus, tu t'amuses plus sur le jeu, en fait. Tout ce que tu veux, c'est des LP. T'es pas là pour danser. Je connais la communauté, ok? Ok, c'est intelligent, ton petit ici. Ok, tu nous fais une belle petite route, là, j'ai l'impression. Tu kites bien. Ah, tu vas peut-être me faire mentir sur le Azir, là. Et regarde s'il a un petit gang potentiel. Ah, c'est chaud, le Azir, il a rien, là. Il y va quand même. Oh, il est très patient. Il est très, très patient. Hein. Ça, c'est une bonne... Oh! Ouais. C'était bien joué de la part de Nico ici de faire le fake ici. Ok, je vais devoir regarder un petit peu la botlane. On va aller regarder un petit peu la botlane, comment ça se passe. Allez, 15 secondes de botlane. Ok, la Lux, normalement, vient de me donner la réponse. J'ai hésité avec du plate, mais je pense qu'on est sur du gold. Mais je pense qu'on est sur du gold 2 ou 1, là. Je prends un risque, hein. Parce que j'ai vraiment pas vu beaucoup de la game, hein. Mais je dirais gold 2. Non, c'est un smurf. Non, c'est un smurf. Je veux pas y croire. C'est un smurf. C'était pas un smurf. Mais attends, mais les bronzes savent autant bien jouer dans la jungle. Il sait comment kite dans la jungle. Il est patient dans ses ganks. Mais j'avoue que la Lux, en fait, ça m'a choqué. Mais j'ai cru que c'était une Lux un peu mauvaise, tu vois. En gold, un peu perdu. Ah, j'aurais dû m'y fier à cette Lux. Je suis deg. Bon, bah, on va l'ouvrir, hein. Non, mais le pire, c'est que je viens de manger, en plus, là. Oh. Ça sent pas un peu le cyanure là quand même? Ça pue! En fait, ça pue le rien. J'ai l'impression de sentir une boîte de plastique, mais qui sort de l'usine. Genre, c'est dégueulasse. Et je vais mettre ça dans ma bouche là. C'est qui qu'on vient de prendre là? Craftor, s'il te plaît.
Donne-moi un bonbon qui est pas dégueu. Pas de cyanure, on est bien. Allez, un bonbon, je regarde pas, j'en prends juste un. Oh putain, ça a l'air d'être savon ça. Oh non, putain, oh, ça a l'air dégueulasse. Oh non, je crois que c'est savon. Ah, oh, je viens de bouffer, je vais vraiment dégueuler en vrai. Alors, c'est savon, mais c'est pas dégueulasse. Mais attends, mais dans mes souvenirs, savon, c'était dégueulasse. Craftor, merci beaucoup. Je t'aime, Craftor. On continue ? C'est parti. Ryujin officiel. Viego, Runen King. C'est parti. C'est qui notre joueur ? Bah, c'est notre Urgot, évidemment. Let's go. Wesh, mais ton équipe, là, ils mettent 10 ans à acheter un truc. Ils sont tous AFK. Ok, il va top, il s'en bat les couilles. Ah ouais, le Panthéon YOLO, quoi. Est-ce qu'il va flash ? Ouais. Ouais, il s'est arrêté après avoir flash. Hein. Oh, on est où, là ? Oh, la ward, elle est... dégueulasse. Là, cette ward est dégueulasse parce qu'en fait, tu vois pas ici et tu vois pas là. Alors que si t'avais mis là, tu verrais là et tu verrais tout ça, genre. Bref, ça m'annonce la couleur, hein, moi, je vous dis. Où est Darius, là? Darius? Attends, pourquoi Darius a 3 points de vie, là? Qu'est-ce qu'a fait Darius? Quoi? Ouh là là! Ouh là là! Oh le W! Oh il est vilain! Mais Nasus mid? Bah je m'arrête là en fait. Non ok. On va regarder un petit peu plus le Urgot là. Là on sait déjà qu'on est bronze ou iron là. Vous m'avez emmené où, là? Tu m'as emmené où, mec? Bon, c'est soit bronze, soit iron à 100%. Si c'est pas iron ou bronze, toute la boîte, je me l'enfile comme ça, genre. Ouais, bronze 4, bronze 3. Moi, je dirais bronze 3, là. Ça peut être bronze 4, putain. Non, je dis bronze 4. Je dis bronze 4. Je change. Je dis bronze 4. C'était une blague. On est clair, c'était une blague. Moi, je pense que ce serait du gâchis. Au pire, c'est un montage. Je peux cut. Oh merde, il y en a qui sont tombés. Bon, je mets une poignée, ok? Je mets ça dans ma bouche. Je peux pas plus. Après, je m'étouffe. Est-ce que ça vous va? Y'a œuf pourri. Y'a œuf pourri, je vous jure, y'a œuf pourri. Je me sens pas bien. Et j'avale pas, hein. Je suis obligé d'avaler. Je te déteste. C'était qui le joueur là? Viego Runa, je te déteste. Je préfère bouffer des piments, je vous jure, je préfère bouffer un piment. Ah putain, c'est dégueulasse. Je vais avaler, hein. Je m'en bats les couilles, je vais avaler. Ta faute ça, c'est ta faute Ryujin là. Ryujin officiel. J'ai même pas de sous, je vais vomir dans mon écran. Ok, c'est bon. Je ne t'apprécie pas beaucoup, Ryujin. C'était pas ta faute, mais c'est pas bien ce que vous faites en silver, en tout cas. Moi je dis ça comme ça, c'est pas bien ce que vous faites en silver. Là, je vais pick. Il y aura pas tricherie. Vous allez voir que c'est juste après Ryu, qui est dans la vidéo. Le prochain que je vais prendre va gagner 20 euros de RP. Ok.
Je vais l'ajouter tout de suite sur League of Legends et je vais lui donner les codes, le code pour 20€ de RP avec Instant Gaming. Le gagnant des 20€ de RP est... Iroh. Iroh qui a donné son pseudo, donc je vais pouvoir l'ajouter. Hop. 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 Tu n'as plus qu'à m'accepter en ami. Je te donne le code et tu as 20€ de RP. Si vous avez des idées d'une autre vidéo que je pourrais faire pour le guest Hello Viewer, balancez-moi vos idées. Rebalancez vos pseudos. Est-ce que je vais refaire gagner des RP? Je pense que je vais refaire gagner un petit 10€ de RP. Instant Gaming sont vraiment cool, donc je vais vous refaire gagner 10€ de RP. Moi, je vous dis à très bientôt. J'ai hâte de voir vos petits commentaires et vos idées. Merci Instant Gaming encore une fois. À très bientôt. Ciao.